Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée sur les sites du club de golf Kingsmill Resort en Virginie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Golf Mag en Virginie. Au cours des 30 dernières années, le parcours que nous allons vous faire découvrir cette semaine a été le théâtre des plus grands exploits des golfeurs tant au niveau féminin que masculin. En effet, la LPGA et la PGA y ont tenu des tournois d'envergure. La preuve, cette liste de champions est vraiment impressionnante. Le Kingsmill a été l'hôte de 12 événements de la LPGA et de 22 de la PGA. Les Sorenstam, Nicklaus et Duval ont remporté ces tournois. Mais vous savez quoi? Ce sont surtout des golfeurs comme vous et moi qui profitons des installations de ce parcours qui a été dessiné puis rénové par l'architecte Pete Dye. Alors sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le Kingsmill Resort qui compte 54 trous de golf, 18 sont complètement fermé, donc privé, mais 36 accessibles. Et aujourd'hui, on s'attarde au magnifique 18 trous qu'est le River Course. Sur ce, bonne émission! Le parcours River du Kingsmill vous propose un défi sur 6831 verges, à normal 71. Plusieurs trous sont bordés des eaux bleues de la rivière James. Le parcours a subi une cure de rajeunissement grâce à l'excellent travail de Pete Dye, le rendant encore plus attrayant. On dit souvent que les normales 5 sont des occasions idéales pour retrancher des coups à la normale, mais je vous dirais que sur le River Course au Kingsmill Resort, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Bien, d'abord, il n'y a que 3 normales 5 sur ce parcours de 18 trous et elles ne sont pas très longues. Le plus long par 5 ne fait que 525 verges. Alors, il y a peut-être plusieurs golfeurs qui seront capables d'atteindre le verre en 2, mais cependant, du terre de départ, c'est super important de bien positionner votre balle dans l'allée parce que vous allez remarquer que tous les verres sont extrêmement bien protégés. Alors, ça devient stratégique, un bon coup de départ, et après ça, vous obtenez une vraie chance d'atteindre cette normale 5 en 2. Le troisième trou est un bel exemple de normale 5. Il s'allonge sur 518 verges et offre 4 terres de départ différents. Les longs cogneurs pourront essayer le verre en 2. Pour ce faire, vous devez être très précis. Le verre est petit et surélevé. Sinon, un coup d'approche à gauche en bas du verre laissera un coup de fer confortable pour atteindre le verre. Kingsmill River Course, le numéro 17. Quel trou extraordinaire! Cette semaine à l'émission, le trou signature au Kingsmill Resort sera joué avec le surintendant ici au club de golf, John Phillips. John, I heard that you're a newcomer here at Kingsmill Resort. Where are you from and how long have you been involved in the golf? I've been here about 15 months here at Kingsmill. The United States about 7 years. Originally from Southwest England and been in the turf industry for roughly about 16 years. And I think today we will play a great challenge, number 17. Number 17 is a great hole on the river course. Obviously, right beside the river here, par 3, tough hole, but a beautiful setting. Alors, on va les découvrir ça ensemble. Je prends mes bâtons. You have your golf clubs too? Yes, I do. All right, let's go. Le 17e trou du Kingsmill Resort est tout un défi de golf. Cette normale 3 de 177 verges est le trou signature du parcours River. Son verre est extrêmement profond, alors il faut faire le bon choix de bâton. Et avouez, la vue est imprenable. John, juste avant qu'on aille jouer le trou numéro 17 ici, j'aimerais qu'on parle un peu de la rivière James qui longe le parcours. Il y a beaucoup d'histoires derrière cette rivière-là. Yeah, this is the James River here on the 17th hole on the river course. The belief is that the first British settlers came over here, actually came into this area, and actually settled about 5 miles away in Jamestown. Oh, wow. It's been a while. A little while. 1607, la première fois que les colons anglais ont débarqué ici pour éventuellement fonder Jamestown. Bon, nous y voici à ce fameux 17e, une belle normale 3. But John, I would like to talk about this great challenge. This is not a very long par 3, but very exciting.
Yeah, from about here, we're about 168 to the green. Yep. You got your bunkers off to the right-hand side. Very, very big green. This green itself is the largest green on the golf course. Oh. As you come around, you'll actually see the way the grandstand's set for the LPGA. Kind of makes this like a little coliseum kind of green. Very exciting for the 17th hole, beside the river, very scenic. Mm-hmm. Makes it a great hole. On est vraiment chanceux aujourd'hui parce qu'il n'y a à peu près pas de vent, c'est très calme comme température. John, we are very lucky today because there is no wind at all. This is a very, very calm day on the river. Usually we kind of get a wind blowing in here, really kind of affects the last few holes on the golf course. But today is a perfect day to hit a golf shot. Restez là. Après cette pause, Daniel et John joueront le 17e du Parcours River à Golf Mag. Good shot. Good swing, John. Retrouvons Daniel et John Phillips, surintendants du parcours Kingsmill, alors qu'ils s'apprêtent à atteindre le 17e trou du parcours River. Il y a un fer numéro 5. So your choice is a 5-iron? My choice is, 5-iron. I'm going to try and hit it into the kind of the left-hand side of the green, as you kind of see the ridge coming down, the kinds of run around. I'm going to kind of try to hit it into that little area right there. I'm not going to try and go for the pin. We're just a little bit worried about the bunkers. So just going to try and play into that left side of the green. Excellent. Yes, sir. Good shot. Good swing, John. Thank you. Good. Here's your 6. Thank you. Go with a 6-iron. Alors, de mon côté, je vais y aller aussi pour l'objectif que s'est donné John, c'est-à-dire y aller à gauche du fanion. Question d'éviter tous les obstacles qu'on retrouve essentiellement du côté droit. Et je vais surtout essayer de profiter de la grande dimension du verre. On aperçoit du côté gauche vraiment une belle bosse qui, en visant là, je pense, pourrait ramener la balle du côté droit. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal où frapper. Alors, 168 verges, fer 6, juste à gauche du fanion. Right. Come on. Oh. All right. Let's make some birds. All right, John, you aim it to the left and yeah, it's not on the green, but it's almost yeah, on. Yeah, right on the collar here, kind of came into this little bowl that's on this green, but I've come over the ridge, so. John, je remarque que le vert est vraiment grand ici au 17e. Est-ce que c'est typique du reste du parcours ou celui-ci est vraiment plus grand? There definitely are a few large greens out here, but this is by far the largest green. This green has a variety of hole locations that can be made. But right now, we're in a pretty easy pin location right here. Alors, John, t'es juste à l'extérieur du verre. Est-ce que tu veux garder le fanion à l'intérieur de la coupe ou tu veux que je te l'enlève? You can leave the pin in, please. Very nice spot. Very nice putt. Come on in. Oh. Very well played. Ouais, c'était un roulé pas mal rapide, hein, John? Bon, à mon tour.
Oh. Hmm. It was a tricky one. Je croyais qu'il allait tourner du côté gauche. Il a bifurqué du côté droit. Alors, je vais simplement compléter ma normale et vous faire un beau grand sourire parce que je suis bien heureux d'une normale ici au 17e. John, you have to save your par now. À peu près certain qu'il va le faire. John, t'as roulé, m'apparaît simple. À quoi ça ressemble? It looks pretty straight from here. Just a firm, straight putt. Straight, firm. Yes, sir. Well done. Well done, John. Take the flag. So it was the 17, yeah? Yep. As a superintendent, I have a special question. What is your favorite hole on the golf course, and why? I would probably say 17. I mean, with a view like this every single day, I mean, this is the perfect office view. I just love being out here. It's peaceful and quiet out here, and just appreciate this golf hole. And with a par, it's especially good, too. I would like to have had a birdie, but I'll take par here. Thank you, John. Thank you. We all know about the great history about the Virginia, Busch Garden, the beaches, but this is also a great place for golfer. Tell me about how great are the golf course in Virginia. Well, Virginia is a wonderful state for golf. There's a fantastic variety of golf courses in the state of Virginia. If you just think about Virginia, the mountains in the west and the coast in the east, you get the wide variety of the mountain golf, the coastal golf, and everything in between. And particularly here in Williamsburg, Williamsburg is really the capital of golf in Virginia. It is the truest golf destination in Virginia. There are 15 public golf courses, access golf courses, within about 30 minutes of where we're standing. You've also got two of the premier golf resorts in the Mid-Atlantic right here in Williamsburg, Kings Mill Resort and Golden Horseshoe. Kings Mill's hosted 22 PGA Tour events, and now I think approximately a dozen LPGA Tour events. Yep. The Golden Horseshoe's hosted 5 USGA championships. Their gold course is going through a complete renovation, so by late next spring, it's gonna be like a brand new golf course. So there's a lot going on in Williamsburg. And obviously, this is a great family destination. It's got a little bit of everything. We have Colonial Williamsburg here, that a lot of people are very familiar with, and Colonial Williamsburg, as well as Jamestown, Yorktown, where the first settlers came to the New World, and Yorktown, where America won their independence. There's also Busch Gardens. Yep. Busch Gardens is a great, fun theme park for the families. So, and even if you want to go down towards the ocean front, about an hour and a half from here, you've got the Atlantic Ocean. Yeah, yeah. It's one of the furthest north warm weather beaches. You know, for us in Virginia, we're swimming in the water by May. Yeah. The Canadians will come down and swim in March and April. It's a little cool for us, but it's great for them to go swimming then. Chris, thank you very much. No, thank you, sir. Restez là. Golf Mag se poursuit après la pause avec le conseil de Jérôme Blais. Ce que j'aime beaucoup du Kings Mill Resort, c'est qu'on se replonge littéralement, non seulement dans l'histoire du golf, mais dans la naissance même des États-Unis. Parce que vous savez, les pères fondateurs des États-Unis sont venus ici d'abord et avant tout, dans ce secteur-ci de la Virginie, pour découvrir, développer ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique. Et pour ce qui est du Kings Mill Resort, bien, c'est pas compliqué. On se promène et on a l'impression de jouer les mêmes trous, les mêmes coups que les champions du passé. On n'a qu'à penser, par exemple, à David Duval, qui a signé sa toute première victoire en carrière en 1997 ici. Et plus tard, en 2008, la grande Annika Sørenstam a signé sa toute dernière victoire de sa glorieuse carrière. Alors, je vous dis, c'est vraiment un privilège de jouer ici. John, you are in the golf business / the turf business for more than 15 years. What kind of challenge do you have here as a superintendent? Here at Kings Mill, just
The climate is definitely our biggest challenge. We're right here next to the river. We're also in a very humid climate. Heat definitely plays a big part in what we do here. We have about just over 3 acres of bentgrass greens, A1 greens, here on the river course. Basically, programs throughout the summertime help to keep the greens healthy, firm and fast. We actually oversee the golf course in September for the Kingsmill Championship in May. So we do a lot of work in the wintertime also when we can, as far as looking after the ryegrass. Yeah. Tell me about the work you have to do for the LPGA tournament. The LPGA, when they come here, these are the best ladies in the world, and we want to prove a firm, test them, but we also want to be fair. Greens, we normally roll in around the 11 mark. We were actually lucky this past tournament. We got green speeds up towards the 13s, 13s and a half. Wow, that's fast. Yeah, that includes double mowing and rolling in the mornings and mowing and rolling in the evenings to get them speeds up. The rough was growing up to around 3 inches. Fairways, are, you know, they're tight. We want the best conditions for these girls. I mean, they love the golf course. The scores were very good, very low, and they definitely enjoyed the green speeds. The tournament here is fantastic. Love working it, and can't wait for more. And personally, where did you learn your job? I actually learned in a little small town where I'm from in England called Ilfracombe. I was lucky enough to work at my local golf course. They helped me out with my schooling, got my degree there, moved on to 3 or 4 different clubs within England, and then really desired the opportunity to work at a higher level and came to the United States and was lucky enough to get a position at Charlotte Country Club with the superintendent, John Selinsky, work with him through Ohio State. What is your personal goal as a superintendent? I definitely have a great passion for this business. I mean, I've been in here for like nearly 15 years, and I came over from England, passionate to come to the United States and work on some of the best courses in the world, and I continue to want to push that on and be the best I can at what I do. What is the best time of the year to come here and to enjoy the golf course? I think full golf is the best. I mean, if you can come here in September, October time, I love them months. Just the weather, the change, that's my favorite time. Great. Thanks for having us, and good luck for the rest of your career. Thank and thank you. Congratulations for this great golf course. Thank you. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Aujourd'hui, je vous propose quelques conseils importants pour les coups d'approche. Premièrement, au niveau de la position de base, on veut les pieds rapprochés. On descend les mains sur la tige et on met le poids sur la jambe avant, qui va nous aider à avoir une meilleure qualité d'impact. Lors de l'exécution, on veut bouger le triangle avec les épaules et terminer en pointant le triangle vers la cible. J'ai vu souvent des gens y aller d'un petit coup de poignet en bloquant ou simplement frapper la balle et ne pas avoir de finition d'élan vers le trou. Ça devient très difficile d'être précis et constant. Donc, les pieds plus rapprochés, le poids légèrement sur la jambe avant pour une meilleure qualité d'impact, avec une bonne extension du triangle vers la cible, c'est plus facile d'être précis et d'être constant. Sur ce, je vous invite à aller pratiquer au champ d'exercice ces quelques conseils. Vous serez en mesure d'amener ça sur le parcours par la suite et exécuter de meilleurs coups d'approche. Bon golf! Lors de notre séjour, nous avons eu le bonheur de demeurer dans l'un des établissements de la famille Diamond Resorts. Le Historic Powhatan Resort est tout indiqué pour les golfeurs, mais aussi pour les familles. Vous aurez aussi l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'histoire coloniale américaine avec ce manoir restauré datant de 1735. Les unités de 3 chambres du Powhatan Resort sont bien équipées et l'accent est mis sur le confort. Le resort se retrouve sur une terre de 256 acres et offre plusieurs services: piscine, jacuzzi, centre d'entraînement. Bien, c'est aux abords du vert du 18e du parcours River que je vous dis au revoir. Pour ceux et celles qui n'ont jamais eu la chance de jouer ici au Kingsmill Resort, bien, sachez que c'est un must. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà joué, bien, qu'est-ce que vous attendez pour revenir?
Allez, on se laisse là-dessus. Bonne semaine de golf à tous. Et on se revoit très bientôt sur un autre très beau parcours. Et entre-temps, ben, je vous invite à aimer notre page Facebook de Golf Mag ou simplement me suivre sur Twitter. Bonne semaine et à bientôt. GolfMag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Virginia is for Lovers.